sentiment, tu vois, le temps est là, le beau temps est là. Je pense qu'on va avoir une belle étape et une belle bagarre. On rentre vraiment dans notre Tour de France, quoi. C'est des belles routes, c'est des routes qui sont difficiles, c'est des routes qui sont piégeuses, c'est des cols qui sont raides malgré tout et qui peuvent réserver des surprises à pas mal de monde. Je connais les profils, voilà, je pense que c'est une journée où tout le monde va batailler pour aller dans l'échappée, donc ça va mettre assez longtemps à partir. Des petites routes toujours vallonnées, et ça annonce un très beau spectacle. Bah, on vient faire des autographes, hein. Du bonheur. On est à la commune de Belmont, dans le Val d'Amour. Le Tour de France existe depuis 1903 et là, pour la première fois passe dans notre commune. Le comité des fêtes, évidemment, s'est interrogé sur une façon de mettre en valeur ce qui est aujourd'hui un véritable patrimoine national, la Grande Boucle. Ce projet, c'était donc de décorer cet événement. Nous avons fait une grande carte en France, qui fait pratiquement 10 mètres sur 10, représentant la carte et le lieu du passage. Le pont de Belmont, récemment inauguré, décoré avec tous les maillots du Tour. Nous avons mis des banderoles également et puis un énorme vélo dont les roues font à peu près 3 mètres de diamètre. C'est unique, hein, ça n'a jamais eu lieu, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, on va dire. C'est l'occasion de le voir en vrai aussi. C'est quelque chose qui est multigénérationnel, quoi. On allait déjà le voir avec nos parents. Ma femme aurait bien une nappe cochonou en fait. Je sais pas pourquoi. Jurassiens sont en force aujourd'hui pour cette belle étape 100% jurassienne. Champagnol, la perle du Jura, va se mobiliser tout à l'heure au passage des coureurs. En direction de Saint-Claude, le monde est fou, il y a du monde partout, c'est la foule des grands jours sur cette étape 100% jurassienne, Made in Jura. Super bien pour le Jura, super bien pour le Tour de France aussi parce que ils ont pu profiter des routes ici, du paysage. Il y a de l'ambiance et tout. Très très bon accueil. On a fait beaucoup de routes pour avoir une arrivée comme ça. C'était une étape vachement difficile. Et je suis content pour les Français. Tous les Jurassiens se sont mobilisés à croire qu'ils avaient même invité tous leurs amis français puisqu'on a vu du monde, du monde, du monde. Et en plus, une victoire française. Il a lutté, il a gagné, il a fait honneur à l'esprit jurassien.